Allô? Go ahead, Namadou. OK. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la session spéciale qui est consacrée à l'OAS par rapport au processus du forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques en santé, bilan et perspectives régionales 2020 et au-delà. Cette présentation, nous voulons d'abord rendre hommage au secrétariat de IBP, à l'OMS, pour l'organisation de ce webinaire qui nous réconforte à plus d'un titre. Et nous sommes très heureux ici, moi-même et mon collègue Dr. Yves Mongo, pour faire partie de ce webinaire et l'animer ensemble. Donc, je suis, comme vous le voyez, chargé des soins de santé primaire et renforcement des systèmes de santé à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je suis donc le coordinateur technique de l'organisation régulière du Forum sur les meilleures pratiques en santé au compte de la communauté ouest-africaine. Et donc, c'est avec plaisir que je vais modérer cette session. Diapositive. Slide, please. Voilà, donc le contenu de cette session sera le suivant. D'abord, c'est un mot de bienvenue. Il y aura une présentation introductive de l'OAS que je vais bien entendu faire tout à l'heure. Il sera suivi de témoignages réussis du processus du forum par quelques partenaires clés de ce processus-là. Il y aura donc l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, il y aura le Pathfinder, il y aura Jipaïgo, il y aura Population Council et il y aura également le secrétariat IBP. Ensuite, nous aurons, disons, une suscitation de questions par rapport à comment on va s'y prendre pour organiser le quatrième forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques. Et ensuite, on aura également des suggestions de thèmes pour le prochain forum avant de faire la synthèse et la clôture. Vous aurez à la fin, les questions seront réservées donc à la fin de tout ce processus. Et nous demandons déjà à tous les participants de préparer leurs questions et de les écrire selon les différentes séances qui vont se dérouler. Un, la présentation de l'OAS. Deux, le témoignage des panélistes. Trois, l'organisation du quatrième forum. Et quatre, les thèmes de ce quatrième forum. Slide, please. Voilà, donc avant de commencer, c'est juste savoir que nous devons nous familiariser et savoir que le webinaire est enregistré. Et ensuite, nous devons soumettre toutes nos questions à tout moment, tout au long donc du déroulement, c'est plus facile. Les questions seront captées ici par moi et par Yves. Et bien sûr, nous sommes tous invités à visiter le site web de IDBP. Slide, please. Voilà, donc je vais revenir à la première séance qui va porter donc sur le forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques en santé, bilan et perspectives régionales. Slide. Voilà, c'est la première séance donc. Slide. Alors, dans le contexte et justification, l'espace CEDEAO, qui comprend 15 pays membres, dont 8, disons 7 pays, 8 pays francophones, 5 pays anglophones et 2 pays lusophones, montrent un peu la complexité linguistique à laquelle nous faisons face, et mais aussi en termes d'habitants, à plus de 350 millions d'habitants, avec chacun de ces pays et leur système de santé, ça montre un peu une complexité dont il faut prendre en compte. Et la mission de l'OAS étant surtout focalisée sur des questions d'harmonisation, des questions de coordination et des questions de création de synergie entre parties prenantes clés. Il est peut-être nécessaire de se rendre compte que
nos systèmes de santé pris individuellement se trouvent à des niveaux variés d'un pays à un autre. Et même parfois au sein du même pays, on peut aussi voir la variance d'une région à une autre selon que cette région est assistée par tel ou tel partenaire. Il est également observé que avant la fin de 2015, donc l'échéance des OMD, les progrès étaient très lents envers ces objectifs mondiaux. Et aussi, c'est ce qui nous a conduit, l'OAS, à penser, organiser ou mettre en place une plateforme qui permettrait aux uns et aux autres des différents pays d'apprendre les uns des autres et de voir comment on peut contribuer à accélérer ce processus à travers les meilleures pratiques. Donc, c'est la raison pour laquelle une résolution a été préparée par l'OAS et soumise à l'Assemblée des ministres de la Santé, et c'était en 2014 à Monrovia, et elle fut adoptée à l'unanimité. Et depuis lors, l'OAS a organisé 3 éditions avec succès de ce forum-là, 2015 à Ouaga, 2016 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire et 2018 à Accra, au Ghana. Et ces 3 éditions se sont soldées, entre autres, par une résolution qui a été prise sur la délégation des tâches dont nous sommes tous aujourd'hui, bien sûr, redevables et comptables, bien sûr, de cet effort-là. Il faut aussi savoir que bien avant cette résolution, mais aussi après la prise de cette résolution, plusieurs appuis multiformes sont en cours dans les pays, tant par l'OAS que par l'ensemble des partenaires que nous représentons ici. Et depuis cela, on est en 2020, nous pensons que la résolution qui a été prise depuis 2017 jusqu'à nos jours, il est vraiment temps de faire le bilan et de voir comment nous allons nous projeter dans 2020. Donc c'est pour cela que ce webinaire est vraiment bienvenu. Slide, please. Voilà, je vais rappeler rapidement, donc ici nous savons tous, le but du forum, c'est pour vraiment accélérer la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes prioritaires des pays membres. Donc, si nous mettons les expériences ensemble et on les partage en bonne et due forme, nous pensons que les pays apprendront les uns les autres et cela va permettre d'aller droit au but en matière de réplication ou de passage à échelle. Et donc, nous allons faire l'économie du temps et bien entendu, nous n'allons pas réinventer une roue qui existe déjà. Slide, please. De façon plus spécifique, le forum vise, à promouvoir une culture de partage d'expériences. Donc, ceci n'existe pas, surtout, on n'est pas de honte à le dire, hein, on n'a pas l'habitude de partager ce qu'on a comme astuce pour faire fonctionner nos programmes et nos activités. Deuxièmement aussi, le forum doit permettre de mobiliser et aligner les parties prenantes clés sur les priorités, qu'elles soient nationales, régionales et internationales. Troisièmement, le forum devrait permettre aussi d'impulser ou catalyser le changement à travers l'utilisation des meilleures pratiques lorsque on veut les répliquer dans un pays ou on veut les mettre à échelle. Cela nécessite qu'on prenne conscience et qu'on soit outillé pour comment impulser ce changement dans le système existant. Et enfin, l'OAS est promu donc de faire l'évaluation des progrès réalisés par les pays et de partager ces résultats-là à l'Assemblée des ministres de la Santé de façon systématique. Diapositive. Alors, le forum, en gros, porte, comme vous le savez, c'est le forum sur les meilleures pratiques en santé. Donc, le forum, par principe, doit pouvoir couvrir, selon les différentes éditions, plusieurs composantes du système de santé, dont les questions de ressources humaines en santé, les questions d'infrastructures de santé, les questions de technologie de santé, les questions d'offres et demandes de services de santé, le leadership, le management et la gouvernance en santé,
le financement, l'information, la recherche et les innovations. Donc, tous ces champs sont censés être couverts par le forum, mais nous le faisons de façon régulière et de façon selon que les thématiques présentent une préoccupation majeure régionale concernant donc tous les pays. Slide, please. Alors, je vais donc juste briefer aussi par rapport au cadre conceptuel du processus du forum. D'abord, au niveau des concepts, nous avons trois phases dans ce processus. L'avant-forum, pendant le forum et l'après-forum. Alors, l'avant-forum, l'accent est mis vraiment sur la prise de conscience des pays par rapport à cette culture de partage des meilleures pratiques ou de toute façon la documentation systématique de tout ce que nous faisons comme meilleure approche pour atteindre les résultats de santé. L'accent est mis également sur la capacité des pays à s'approprier de ce mécanisme-là, de sorte qu'on ne soit plus derrière pour le faire et que ça rentre dans les habitudes de tous les acteurs. Mais aussi, également, il faudrait aussi profiter pour outiller et renforcer les capacités des pays en matière d'approche méthodologique. Donc, ceci représente un peu ici ce qui est attendu avant chaque forum, de façon systématique. Le forum proprement dit met l'accent ici sur la meilleure façon de partager ces expériences-là, de sorte que les pays puissent, les représentants pays puissent capter le maximum d'informations et qu'ils puissent les partager pendant le forum et aussi après le forum. Donc, les délégués pays sont suffisamment en nombre pour qu'ils puissent interagir et choisir parmi les nouvelles découvertes qu'ils font pendant le forum. Et le post-forum, qui est pour nous la principale phase, parce qu'il ne s'agit pas d'organiser le forum juste pour l'organiser, mais il s'agit surtout qu'elle puisse avoir des implications sur l'après-forum. Alors, il s'agit donc ici de notamment mettre aussi les pays devant leurs responsabilités en matière de financement domestique, de créer des lignes pour que le pays lui-même puisse piloter la réplication ou le passage à échelle des pratiques qui semblent être les meilleures ou prometteuses, mais également aussi de notre part de continuer à renforcer les capacités des pays et à les outiller afin qu'ils puissent facilement et en tout cas collectivement mettre à échelle ces meilleures pratiques-là. Donc voilà un peu ce qui est le concept de ce forum. Au niveau processus maintenant, ce que l'OAS a entrepris comme organisation régionale, c'est de développer des outils méthodologiques dans un premier temps. Parce que si nous voulons que les meilleures pratiques soient présentées et qu'on puisse mieux profiter, il fallait harmoniser leur façon d'être documentée et leur façon d'être partagée. Ensuite, il fallait également, bien entendu, mobiliser les ressources. Et nous avons donc eu des partenariats stratégiques afin que nous puissions avoir suffisamment de ressources pour mettre en route ce processus du forum. Et pendant le forum, l'OAS met l'accent aussi, c'est une opportunité pour vraiment faire des orientations sur les domaines clés de la thématique choisie, mais aussi de faire le plaidoyer politique afin que les acteurs pays qui sont présents puissent être mieux sensibilisés et mieux concernés par les pratiques qui marchent le mieux. Et donc aussi faire en sorte que, par exemple, le format du forum qui est de faire des sessions parallèles, qu'on puisse absorber le maximum de thématiques avec les intérêts des uns et des autres. Et bien entendu, on profite du forum proprement dit pour, à la fin, tirer des messages clés, des recommandations majeures et pourquoi pas des potentielles résolutions qui pourraient être partagées à l'Assemblée des ministres de la Santé. Alors, l'après-forum, l'OAS a adopté une approche au niveau régional qui est que, tout en restant dans la dynamique que les pays doivent s'approprier de ce forum-là, lorsqu'un pays en fait la requête, l'OAS, bien entendu, dans un premier temps, fait une visite de 2 jours dans ce pays. Et cette visite de 2 jours-là, c'est une visite non seulement de briefing des hautes autorités sanitaires, mais aussi de leur montrer le processus
et les amener à mettre en place une équipe de changement, une équipe de pilotage de la réplication ou du passage à grande échelle. Et c'est ce qu'on appelle les comités nationaux PAGE. Et après ces 2 jours, si effectivement le ministère de la Santé arrive à établir ce comité national de PAGE par arrêté ministériel, alors l'OAS organise en ce moment dans ce pays-là 5 jours d'ateliers au cours desquels le pays apprend d'abord les principaux outils qui existent en matière de passage à grande échelle, qui sont des outils ExpandNet dont on va parler bientôt, et aussi à planifier et budgétiser autour d'une ou de 2 meilleures pratiques qu'ils auraient retenues comme prioritaires pour cet exercice-là. Et c'est à partir de là que l'OAS, selon ses moyens, ou aussi selon les moyens des partenaires, puisse appuyer les pays-là à répliquer ou à passer à échelle. Bien entendu, nous avons un processus interne de monitoring et évaluation pour traquer un peu la collecte des informations. Nous pensons qu'avec ce processus-là, on aura contribué à ce que les comités nationaux de passage à échelle soient fonctionnels dans les pays et que les réplications et les passages à échelle, ces interventions-là, soient en cours déjà dans les pays. Et ceux-ci devront tous contribuer à améliorer l'état de santé des populations. Slide, please. Alors, l'approche méthodologique globale est basée, donc, comme je l'ai dit tantôt, sur le partenariat stratégique avec les partenaires, et vous les voyez ici, que ce soit l'USAID, la KfW, l'AFD, le Fonds de le Pays-Bas, et bien entendu, l'initiative IDP, qui représente ici tous les partenaires et membres de cette initiative-là, et bien entendu, le Bill et Melinda Gates, etc. Et nous avons aussi mis en place un groupe d'experts régionaux constitué de ce qu'on appelait le groupe technique régional de travail, qui a donc accompagné l'OAS tout au long de ces années-là pour la conception et la mise en œuvre du forum. Nous avons donc élaboré, comme je l'ai dit tantôt, des lignes directrices qui sont les outils qui permettent donc de documenter et diffuser, mais aussi qui permettent de mettre à échelle les meilleures pratiques. Et bien entendu, avec tout ceci, ce qui est vraiment transversal, c'est favoriser l'appropriation et la durabilité de ces meilleures pratiques dans les pays. Slide, please. Voilà, et voilà un peu les organes que nous avons mis en place. Le CIO, c'est le comité interne d'organisation au sein de l'OAS, qui collabore avec le comité local d'organisation du pays qui abrite le forum. Ensuite, c'est ce groupe technique régional de travail, GTRT, que nous avons mis en place depuis fin 2014 et qui comprend donc plusieurs partenaires et plusieurs représentants des pays et donc qui devrait donc conseiller l'OAS par rapport à ce processus. Et nous avons le comité consultatif conjoint des directeurs qui sont des directeurs nationaux ou généraux de la santé qui sont invités à prendre part au forum et qui, à la fin du forum, on a une réunion à huis clos avec l'équipe de management de l'OAS afin que ces experts nationaux puissent tirer des conclusions, des messages clés, des recommandations, voire des résolutions à soumettre à l'Assemblée des ministres de la Santé. Slide, please. Voici un peu les outils méthodologiques que nous avons élaborés avec, bien entendu, une forte participation de l'initiative IDP à travers son secrétariat. C'est d'abord le guide d'identification et de documentation des meilleures pratiques en planification familiale. C'est un guide que nous avons d'abord élaboré pour les 2 premiers forats avant que l'OMS Afro ne le retravaille pour le rendre un guide continental, ce qui est aussi un succès important par rapport à ce processus du forum que l'OAS a mis en place. Ce guide étant bien sûr sur la planification familiale, il est aussi utilisable pour n'importe quel autre domaine de la santé que nous voulons documenter. Nous avons développé à côté un autre guide qui est au milieu et donc qui permet donc de faire la synthèse de tout ce qui est collecté par ce premier guide. Et le troisième guide qui est à droite permet donc ici de développer son abstract et de développer sa présentation soit en PowerPoint, soit en affiche.
Et vous avez ici le lien qui peut vous permettre d'accéder à ces guides qui sont permanemment postés sur le site web de l'OAS. Slide, please. Les deux autres guides sont issus, bien sûr, aussi de l'OMS avec le projet ExpandNet et que nous avons utilisé pour renforcer les capacités des pays en matière de réplication ou de passage à grande échelle. C'est le guide sur les 9 étapes de passage à grande échelle qui est très important, qui est donc vraiment la formation centrale se repose sur ce guide-là. Et qui amène jusqu'à la phase de planification, voire même jusqu'à la budgétisation. Le deuxième guide qui est à côté, nous enseignons, nous présentons et nous disséminons cela au niveau des pays pour que justement les gens, lorsqu'on commence les phases pilotes de ces initiatives-là dans nos pays, que nous puissions penser à la fin de ces phases pilotes-là pour planifier le passage à grande échelle. Le plus souvent, les phases pilotes n'intègrent pas beaucoup l'extension possible après la phase pilote. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de nos pratiques qui sont identifiées comme prometteuses restent sous les tables une fois que le projet a pris fin. Ça également, vous pouvez l'accéder sur le site ExpandNet ou sur le site de l'OMS. Vous avez un lien ici qui peut faciliter cela. Slide, please. Voilà, les 3 fora que nous avons organisés, le premier étant celui qu'on a fait à Ouagadougou en 2015. Vous voyez sur le thème « Mettre fin au décès maternel et infantile évitable en Afrique de l'Ouest », ce qui marche en termes de leadership, gestion et gouvernance, en termes de prestation de services, en termes d'approche socioculturelle et plaidoyer et en termes de durabilité de mise à échelle. Donc, ceci a mobilisé déjà pour la première fois, en tout cas, un nombre important de participants, plus de 350 participants. Et nous avons eu à partager pendant ce premier forum 112 Please. Le slide, please. Voilà, le deuxième forum a pris s'est mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire à Grand Bassam en 2016 et sur le thème promouvoir les innovations en matière de santé génésique maternelle, néonatale et infantile adolescent en relation avec les OMD. Et là, les sous-thèmes étaient en rapport avec les réformes institutionnelles, les ressources humaines, les technologies sanitaires et le transfert de connaissances. Et il montre ici un peu l'engouement que nous avons. Mais et aussi le nombre de meilleures pratiques se sont affinées en termes de qualité plutôt que de favoriser les quantités. Nous avons commencé à cerner un peu les critères afin que nous puissions avoir les meilleures pratiques qui peuvent être utiles à tout le monde. Slide, please. Alors, le dernier forum qui s'est tenu à Accra en 2018 au lieu de 2017, c'est une erreur ici, sur le thème de promouvoir la multisectorialité pour atteindre les ODD liés à la santé. Là également, les sous-thèmes ont porté sur la gouvernance, sur le rôle des partenariats publics-privés, sur la contribution de la médecine traditionnelle et la contribution de la lutte contre les maladies non transmissibles en rapport avec la santé mère nouveau-né enfant. Là également, près de 400 participants avec 65 meilleures pratiques partagées. Donc, cet engouement montre en tout cas que les pays y adhèrent, que les partenaires adhèrent, et chacun de ces fora a regroupé beaucoup de partenaires, dont presque les partenaires clés sont ceux qui sont liés à cette initiative IBP.
et que nous remercions ici. Et ces trois forats ont été donc sous financement côté OAS de l'USAID, le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'USAID, donc qui nous a permis vraiment de booster le lancement de ce processus du forum. Slide, please. Voilà, et l'après-forum, nous avons également adopté une approche qui met encore toujours les pays devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, après le premier forum, il y a 7 pays qui ont soumis une requête à l'OAS. Ce sont le Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Togo. Parmi ces 7 pays, enfin, pour ces 7 pays, nous avons organisé 2 jours de visite qui sont des visites de plaidoyer, de briefing et de sensibilisation pour qu'on puisse mettre en place une équipe de changement. Parmi donc, ces 7 pays, il y a 4 pays qui avaient réussi en ce moment à mettre en place leur comité de passage à grande échelle, Burkina, Mali, Togo, Gambie, et pour lesquels nous avons organisé les 5 jours de renforcement des capacités, comme vous l'avez constaté tantôt. Et bien entendu, ces 4 premiers pays ont fait l'objet d'un appui financier pour passer à échelle au moins une pratique qu'ils ont trouvée prioritaire dans leur pays. Et c'est la même chose que nous avons fait, vous voyez dans la deuxième ligne ici, après le deuxième et troisième forum, on a reçu 6 autres requêtes provenant du Ghana, Bénin, Libéria, Cap-Vert, Guinée, et bien entendu le Togo encore, ça veut dire le Togo a mordu déjà l'appât, en envoyant systématiquement des requêtes, et pour lesquelles également les 2 jours de visite ont été organisés, et pour ceux et parmi eux, ceux qui ont pu mettre les comités de passage à grande échelle, on a organisé les 5 jours d'ateliers nationaux de renforcement des capacités. Donc, en ce moment-là, tous ces pays ont, en tout cas, disposent d'un plan budgétisé pour le passage à grande échelle des pratiques qu'ils ont trouvées comme prioritaires. Slide, please. Voilà, ici, c'est pour vraiment montrer un peu l'étalage des différentes meilleures pratiques que les pays ont retenues dans ce processus-là et qu'ils veulent mettre à échelle. Ici, l'objet n'est pas de citer forcément toutes ces meilleures pratiques, mais c'est de dire parmi, par exemple, ces pratiques-là, qui sont ici regroupés par pays, la planification familiale durant les soins postpartum en Guinée et au Libéria, et aussi après les soins après avortement au Burkina et au Togo, entre autres. Vous voyez, tous ceux qui sont en rouge ici sont des pratiques que l'OAS a appuyées, mais aussi que le pays lui-même a choisi pour passer à échelle sans vraiment l'appui de l'OAS directement. C'est le cas du Cap-Vert, par exemple, par rapport à l'expérience de la banque du lait, mais aussi par rapport à leur expérience de télémédecine, où ces phases pilotes se sont déroulées dans ce pays et le pays a décidé de passer à échelle. Nous essayons de montrer ça pour que chaque pays puisse vraiment s'inspirer de ce modèle-là. Slide, please. Il en est de même également, c'est la même série des meilleures pratiques qui sont actuellement en cours dans le pays, dont certaines donc, ont bénéficié d'un appui financier de la part de l'OAS et de certains partenaires ici. Donc, nous allons recueillir tout à l'heure quelques témoignages à cet effet. Donc, d'autres aussi sont restés presque suspendus parce qu'il n'y a pas de fonds pour mettre à échelle. Donc, ceci nous interpelle en tant que partenaires pour que nous puissions davantage conjuguer nos efforts pour se pencher sur maintenant la mise à échelle des pratiques qui ne font aucun doute de leur efficacité en matière de résultats en planification familiale et santé de la reproduction. Slide, please. Voilà, l'USAID qui a financé ces 4 premières années du processus du forum a décidé à la fin donc d'organiser une évaluation externe. Et c'était le forum appartenait aussi à un projet qu'on appelait le projet CAPS, et avec 4 composantes dont le forum était une des composantes. Donc cette évaluation globale externe a mis en exergue quelques résultats clés rapportés par les acteurs qui ont été interviewés dans les 15 pays membres. Et vous voyez que, en résumé, le leadership de l'OAS dans la promotion du soutien de la mise à échelle des meilleures pratiques
a connu vraiment beaucoup de succès à l'unanimité pour les personnes qui ont été interviewées, notamment dans le cadre du soutien que nous avons apporté à la mise en place des comités nationaux de pilotage de la mise à échelle des meilleures pratiques, mais aussi de le développement et la diffusion que nous avons fait des outils méthodologiques, hein, pour que les capacités des pays soient renforcées à identifier et documenter les meilleures pratiques. Le fait d'animer si régulièrement la plateforme régionale de partage des meilleures pratiques, et aussi le fait de fournir un soutien technique et financier aux pays pour la mise à échelle. Donc, tout ceci, les acteurs interviewés ont eu à rapporter aux évaluateurs. Slide, please. Voilà, dans la même veine aussi, également, les pays ont rapporté aussi ce qu'ils ont apprécié, c'est l'harmonisation de la mise à échelle de certaines meilleures pratiques dans la région. C'est-à-dire, ils veulent parler ici de l'harmonisation des outils qui permettent de mettre à échelle une meilleure pratique. Mais aussi le fait que nous avons coordonné et travaillé de façon synergique avec d'autres partenaires techniques et financiers. Et c'est le cas, par exemple, du secrétariat de IBP. Et c'est le cas, donc, de l'OMS, de l'UNICEF, etc., pour parler des systèmes des Nations Unies. Mais aussi de l'harmonisation de l'approche de mise à échelle que nous demandons ici que tout le monde et tous les partenaires puissent suivre. Comment il faut se concerter pour qu'on n'aille pas, on ne parte pas en rang dispersé pour appuyer les pays pour les mêmes choses. Slide, please. Alors, la même évaluation montre ici les principaux mots qui sont ressortis, hein, de ces interviews-là, par rapport à la promotion des meilleures pratiques faites par l'OAS. Slide. Alors, les efforts également de l'OAS en matière de plaidoyer et de communication pour la mise à échelle des meilleures pratiques a été largement reconnu par les pays, notamment dans son aspect de mise en place de ces comités nationaux de pilotage. Donc, il a fallu donc être présent sur le terrain et expliquer l'importance de cela. Et vous voyez que ces comités nationaux, ce qui a été apprécié, c'est leur composition, qui est non seulement faite d'acteurs du ministère de la Santé, mais aussi d'acteurs provenant d'autres secteurs ministériels et aussi de la société civile, du secteur privé, etc. Tout ceci est très apprécié et ça constitue vraiment un potentiel que le pays a pour pouvoir déjà mobiliser les ressources domestiques, mais aussi faire le plaidoyer pour la mise à échelle sur le terrain de ces meilleures pratiques-là. Ils ont aussi remarqué le renforcement des capacités durant les ateliers nationaux de dissémination des outils, qui aussi a été une opportunité de communication et de plaidoyer auprès des pays. Il en est de même aussi la mise en place d'un réseau régional de communicateurs qui comprend non seulement des journalistes, mais aussi des communicateurs provenant des ministères de la Santé, qui donc ce réseau aussi a contribué à diffuser les messages au niveau des pays sur les différents forums, hein, aussi, mais aussi sur les aspects de financement domestique. Slide, please. Voilà un peu quelques mots aussi qui ont été captés, qu'on peut voir par rapport aux différentes interviews réalisées par les évaluateurs. Slide, please. Voilà. Pendant ce temps, nous faisons face quand même à certains défis majeurs, beaucoup, mais ce que nous avons retenu ici comme essentiel, c'est d'abord comment amener les pays, comment amener les acteurs aussi des partenaires à utiliser de façon systématique les outils méthodologiques qui sont harmonisés. Donc, éviter d'aller en rang dispersé. Il y a des outils que l'OMS est derrière comme garantie pour vraiment leur efficacité et leur pertinence. Nous devons tous les utiliser et ça demeure encore un défi car beaucoup de meilleures pratiques présentées partent un peu des rapports d'évaluation, des rapports d'activité et il manque un peu de pertinence par rapport à la prise en compte de certains critères fondamentaux quand on parle de meilleures pratiques. Donc ça demeure vraiment un défi qu'il faut qu'on relève ensemble. Mais aussi l'autre défi actuellement, c'est les pays qui ont réussi à mettre en place les comités nationaux de passage à grande échelle
On a besoin que ces comités soient fonctionnels. Les pays, les comités, ces comités doivent être soutenus aussi par les autres partenaires. Et je salue le passage ici, l'arrivée du projet Amplify PF à travers Pathfinder, qui quand même est en train d'aller dans ce sens-là, dans les quatre pays pilotes de ce projet-là. Il y a l'autre défi, c'est le financement domestique des pays. Nous pensons que lorsque nous faisons un front commun entre partenaires, nous pourrons arriver à quand même amener à inscrire sur les plans nationaux budgétisés le passage, la réplication ou le passage à grande échelle des meilleures pratiques de façon chronologique et ordonnée. Et également, la création d'une synergie d'action entre les partenaires. Ceci demeure un grand défi pour nous. Nous avons beaucoup fait, mais tant et aussi longtemps que les partenaires continueront à aller seuls par rapport à leurs objectifs attribués par le bailleur de fonds, à aller seuls et à chercher à atteindre coûte que coûte ces résultats, sans se soucier du lien que ça fait avec d'autres projets dans le même pays, parfois même dans les mêmes régions ou dans les mêmes districts, ceci pose énormément de questions sur à la longue, qu'est-ce que nous voulons. Donc, il faudrait vraiment qu'on se mette ensemble et nous devons définir les voies et moyens pour créer des mécanismes opérationnels à cet effet. Bien entendu, aussi, l'autre défi, c'est qu'on a parcouru un certain nombre d'années d'intervention sur le terrain. Comment allons-nous nous arrêter pour évaluer de façon exhaustive tout ce que nous avons entrepris dans le cadre de la promotion des meilleures pratiques sur le terrain? Là également, nous devons être en mesure de répondre. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, comme on a dit, les gens poseront des questions pour qu'on puisse essayer de répondre à cela, pas seulement à l'OAS, mais aussi aux autres partenaires. Slide, please. Voilà, comme perspective également, 2020, nous avons inclus 2020, mais au-delà aussi de 2020, c'est d'abord, nous avons estimé qu'il fallait, après trois éditions du forum, qu'il fallait s'arrêter pour évaluer vraiment l'effet ou voire même l'impact que cela a dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Et ceci nous paraît fondamental ici, avant de continuer encore à organiser la prochaine édition. Donc ceci, nous avons besoin bien entendu de l'avis des uns et des autres sur ça, mais aussi de leur contribution sur comment on peut améliorer les prochains forats. Il y a aussi la nécessité d'une consultation régionale entre les partenaires et les bailleurs de fonds, parce que cette question de se mettre en synergie et de créer les mécanismes opérationnels, nous pensons que ça va nécessiter qu'on se consulte entre nous et qu'on sorte là-bas avec des recommandations clés qui sont opérationnalisables entre les différents partenaires. Et nous pensons que cela va aller dans la déclaration de Paris qui veut que nous puissions harmoniser l'aide au développement. Il y a aussi comme perspective la préparation et la publication d'une brochure sur quelques meilleures pratiques clés que nous trouvons, qui ont été documentées sur la base des outils méthodologiques de l'OMS, et donc qui peuvent faire l'objet d'une publication où chaque pratique fera l'objet d'un certain niveau de détail qui puisse permettre à chacun de pouvoir facilement s'inspirer et de la répliquer ou de la passer à l'échelle selon le contexte propre de chaque pays. Ensuite, bien entendu, comme perspective, nous voulons organiser un quatrième forum. Qu'il s'agisse de cette année ou l'année prochaine, ceci reste en tout cas un projet par rapport aux prochaines étapes. Et bien entendu, c'est comment nous allons monitorer les progrès réalisés par les pays. Ceci rentre dans un des objectifs spécifiques, comme si vous vous rappelez. Donc, ça reste donc une perspective pour que nous puissions rapporter les avancées des pays au niveau de l'Assemblée des ministres de la Santé. Slide, please. Voilà, nous sommes donc à la conclusion de cette présentation qui montre que le forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques est considéré par tous comme un événement majeur et donc il a besoin donc d'être maintenu. Et l'OAS a parfaitement coordonné et fait le partenariat stratégique avec des partenaires clés et qui sont donc aussi prêts à s'engager à poursuivre ce partenariat-là pour le forum. Mais aussi, il existe des défis majeurs
dont chacun de nous doit contribuer afin que le niveau d'appropriation au niveau des pays soit majeur, afin que nous puissions pérenniser les actions. Et bien entendu, également, comment l'OAS doit continuer à organiser régulièrement ce forum de façon efficace et efficiente. Ceci reste encore, en tout cas, à la fois un désir, mais aussi une nécessité d'action commune pour que l'impact soit vraiment réel et mesurable au niveau des pays. Voilà, merci pour votre écoute. Ça, c'est vraiment déjà la première séance. Et je vais enchaîner, comme je suis à la fois présentateur et modérateur de cette session, je vais donc enchaîner par la deuxième session, tout en espérant que les participants vont poser, déjà écrire ces questions-là, que nous puissions capter au fur et à mesure. Alors, nous allons passer donc à la deuxième séance, qui est de passer la parole à quelques partenaires que nous avons choisis. Il y en a beaucoup, hein, tout le monde pouvait intervenir ici, mais nous avons voulu, pour des questions de contrainte de temps, donner la parole à ces partenaires suivants. Slide, please. Donc, ces partenaires vont nous dire ici les meilleurs, enfin, comment ils ont contribué, leur projet a contribué donc ici à la préparation, à la tenue et à l'après-forum, etc. Donc, nous avons un premier partenaire qui est le grand partenaire, le partenariat de Ouagadougou avec Norbert Koulibaly. Norbert Koulibaly qui est donc depuis 2019 à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou en qualité de gestionnaire principal de programme. Et bien sûr, après ses expériences de l'UNFPA, etc. Nous connaissons tous Norbert de par son grand engagement. Et donc, nous allons lui donner, et c'est d'ailleurs le cas pour tous les autres panélistes, 5 à 6 minutes d'intervention ici pour nous faire des témoignages de réussite qu'il a de ce côté du partenariat de Ouagadougou sur le processus du forum. Donc, Norbert, tu as le micro. D'accord, merci bien Namoudou pour cette opportunité qui est donnée une fois de plus au partenariat de Ouaga de partager quelques réflexions sur cette plateforme régionale qui concerne le partage des meilleures pratiques en santé. Merci aussi à IBP et à tous les autres collaborateurs. Comme on vient de l'apprendre avec l'exposé, le brillant exposé de l'OAS, c'est un processus qui est désormais établi, qui est bien maîtrisé, qui a ses outils et qui ont été développés et pour lesquels nous sommes tous partie prenante, en ce sens que véritablement, c'est un outil capital pour véritablement renforcer les programmes de santé dans tous les pays. Comme il l'a dit au départ, vous avez dû remarquer que ce forum est assez large et concerne de façon générale la santé. Et je vais parler plutôt de ce qui est du mandat du partenariat de Ouaga, en l'occurrence la planification familiale. Et à ce niveau, le forum constitue également un élément, un outil central pour permettre à tous les pays du partenariat de Ouaga de partager les expériences réussies, les meilleures pratiques et comment est-ce qu'ils les mettent en œuvre pour pouvoir améliorer, renforcer et accélérer l'atteinte de leurs résultats. Dans le cadre du partenariat de Ouagadougou, l'objectif, vous le connaissez, pour cette phase qui vient, c'était une phase d'accélération qui devait permettre à l'ensemble des pays d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de planification familiale d'ici la fin de cette année 2020. Et à la réunion annuelle du partenariat de Ouaga, vous avez pu constater qu'il y a des avancées très significatives parce que nous avons atteint 87% de notre objectif en fin 2019
Et nous sommes certains qu'avec justement ce mouvement et l'ensemble de la mise en œuvre de ces différentes pratiques, nous allons atteindre l'objectif d'ici la fin de l'année. Alors, par rapport au forum, je vais insister seulement sur deux ou trois points. Le premier, c'était toute cette démarche de collaboration qui a amené justement à aboutir à, par exemple, une des meilleures pratiques que nous sommes en train de travailler à mettre à l'échelle, qui était la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale. Et nous avons eu une réunion, justement, sous l'égide de l'OAS et de l'OMS, bien sûr avec le partenariat de Ouaga et l'ensemble des autres partenaires à Lomé, pour pouvoir discuter de cette question de façon spécifique. Et il a évoqué tantôt la résolution sur la délégation des tâches qui a été adoptée, qui est un résultat fantastique du forum et qui a permis à tous les États d'avoir une démarche assez standardisée et claire pour la délégation des tâches dans le domaine, par exemple, de la planification familiale. Et tous les programmes aujourd'hui travaillent dans ce sens pour pouvoir mettre à l'échelle cette stratégie dans les différents pays. Je pense que c'est un succès incontestable dans la région et qui mérite d'être partagé par tout le monde. Les autres interlocuteurs viendront là-dessus, en ce sens que ICPO, le partenariat, ne fait pas de la l'offre de services en tant que telle, mais travaille beaucoup plus au niveau de la coordination, du plaidoyer, du partage des connaissances, mais bien sûr également de la mobilisation des ressources. Donc, en ce qui nous concerne à ce niveau, l'intervention, que ce soit au moment de la préparation du forum, au moment de l'animation de la tenue du forum et l'après-forum, nous sommes partie prenante de tout le processus. Et pour mettre l'accent sur la phase post-forum, un élément important où le partenariat intervient, c'est la partie concernant la coordination au niveau des pays. Et cette coordination, surtout à la mise en place des comités nationaux, est quelque chose d'essentiel pour vraiment assurer une meilleure coordination et, comme il l'a souligné, la synergie des interventions au niveau de chacun des pays et pour faciliter le passage à l'échelle de l'ensemble de ces meilleures pratiques qui auront été identifiées par chacun des pays. Et je prends l'exemple du DMPA, disons, de la planification familiale du postpartum, la planification familiale du postabortum. Tout ça, c'est des stratégies. Conclusion, s'il vous plaît. Conclusion, voilà. S'il te plaît. Voilà. OK. Donc, en conclusion, je vais dire que en ce qui concerne le partenariat, nous sommes très, très partants par rapport à ce forum, qui est un outil central pour notre région pour faire avancer les résultats en matière de planification familiale dans l'ensemble des pays du partenariat de Ouagadougou. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Norbert. Merci infiniment. Alors, slide, please. Nous allons également donner la parole au Dr. Franck Aguina Tankwana, de Pathfinder International, qui a Tankwano plutôt, excuse-moi de maltraiter ton nom. Et donc, je te salue maintenant parce que je ne t'avais pas salué au début. Franck est donc directeur du projet régional d'Amplify PF, dont je faisais allusion tout à l'heure, de l'USAID, qui est donc dont le leader, le Pathfinder International, depuis août 2018. Donc, s'il te plaît, Franck, tu as 5 à 6 minutes pour faire un témoignage de réussite dans ce processus du forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques. À toi le micro. Franck?
Allô? Alors, est-ce que Franck est avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, Vous vas-y. m'entendez? OK. Donc, je disais que lors de l'exposé du docteur Keïta, il a parlé de la fonctionnalité des comités PAGE au niveau pays. C'est très important. Alors, Amplify, qui est un projet financé par l'USAID, l'USAID intervient au niveau de toutes les trois étapes que Dr Namoudou a présenté. Nous, on intervient au niveau pays, donc après forum. Donc le mandat d'Amplify, qui est mis en œuvre par Pathfinder International, est d'appuyer quatre pays pour le passage à grande échelle de deux pratiques à haut impact que sont la PF du postpartum ou des soins après avortement et la délégation des tâches en matière de PF, avec pour objectif. Le premier, c'est l'adaptation et la documentation. Le deuxième, c'est le passage à échelle, mais en trouvant des mécanismes pour pérenniser, en levant des fonds endogènes. Le troisième, c'est la qualité des soins. Et le quatrième, c'est la coordination qui est très importante pour nous tous. Alors, donc, avant de commencer, nous avons fait une évaluation de base de la fonctionnalité des comités PAGE. Donc, on va vous dire quelles sont les actions qui ont été menées, quels sont les résultats obtenus et les prochaines étapes. Alors, nous couvrons quatre pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Et donc, en avril 2019, nous avons fait justement une évaluation sommaire de la fonctionnalité des comités PAGE. Nous avons trouvé sur les quatre pays, il y avait trois pays qui avaient leur comité PAGE mis en place. C'est le Burkina Faso, le Niger et le Togo. La Côte d'Ivoire n'en avait pas. Le Burkina Faso a mis son comité PAGE en 2016, mais n'avait eu qu'une seule réunion à la date d'avril 2019. Donc, vous voyez, depuis 2016, ce n'est qu'une seule réunion qui avait été faite jusqu'à la date d'avril. Au Niger, comité mis en place depuis 2017, il y avait trois réunions qui ont été faites sur 54 prévues. Et le Togo avait mis son comité en juillet 2016 et avait déjà fait deux réunions. Alors, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore entamé le processus. Donc, quelles sont les difficultés par rapport justement à la fonctionnalité des comités PAGE qui ont été identifiés? Premièrement, c'est la multitude des comités au niveau des pays et qui souvent comportent les mêmes personnes. Donc, il y a trop de membres. Et deuxièmement, il y a un conflit de calendrier pour tenir les réunions. Et troisièmement, il y a le manque de financement pour prendre en charge ces réunions. Et quatrième difficulté, c'est la difficulté à programmer les réunions. Notamment faire l'agenda, diffuser les invitations et puis surtout faire le compte-rendu. Alors, quelles sont les actions que nous avons menées? Premièrement, le projet Amplify a affecté un staff, donc une personne au niveau de chaque ministère dans ces pays-là pour aider justement à appuyer soit la direction de la santé familiale ou bien la DCME ou bien la direction de la planification familiale, justement par rapport aux activités du comité PAGE. Donc, cet agent, ce staff a beaucoup contribué et a joué le rôle de secrétaire lors des réunions des comités PAGE. La deuxième activité, c'est l'appui à la révision de la composition et des attributions des comités PAGE. Parce que les discussions qui ont été menées, les gens nous ont dit, bon, il faut qu'on revoie la composition en termes de nombre. Il y a ensuite, nous avons apporté un appui financier à la tenue des réunions du comité PAGE et l'appui au développement des plans de passage à l'échelle et de validation, notamment le DMPA-SC. On a beaucoup travaillé avec Djepaygo là-dessus. Et même l'élaboration de plans conjoints. Nous sommes dans le processus de renforcement des capacités des municipalités à mobiliser des fonds pour appuyer les plans de passage à l'échelle de l'APF. Et enfin, nous avons eu à faire le recensement des bonnes pratiques retenues par chaque pays après l'atelier de Bassam qui était organisé par OMS Afro. Alors, quels sont les résultats concrets? Au Burkina Faso, nous avons pu faire en sorte qu'il y ait eu la tenue d'une réunion du comité PAGE en août 2019. Et donc, la prochaine réunion, on espère qu'elle va être faite d'ici juin. Nous avons en Côte d'Ivoire aidé à organiser, à élaborer le draft justement de l'organisation du fonctionnement et de la composition du comité PAGE. Nous avons pris contact avec la personne ressource au niveau du ministère pour qu'on puisse contacter officiellement l'OAS pour que l'OAS puisse appuyer justement
la mise en place du comité PAGE. Au niveau du Niger, il y a eu la révision du comité PAGE qui a été, deux comités ont été maintenant mis en place, dont un comité de pilotage de 30 membres et un comité de 28 membres qui est un comité technique. Et là aussi, nous avons appuyé déjà la tenue d'une réunion du comité technique PAGE. Et enfin, au Togo, le Togo a revu justement la composition de son comité PAGE et a préféré avoir ce qu'on appelle un groupe technique de sécurisation. Conclusion, s'il te plaît, conclusion. Oui, j'arrive, de santé. Donc, mais nous avons appuyé au Togo la réalisation de 4 réunions à ce comité-là. Alors, quelles sont, pour moi, les conclusions, c'est les perspectives. Au niveau des pays, nous allons continuer l'appui. Et au niveau des PTF, au niveau régional, ce serait bon qu'il y ait une actualisation de la cartographie des PTF au niveau pays et au niveau régional pour partager justement cette actualisation. Et nous souhaitons participer au groupe technique régional sur le passage à l'échelle et surtout contribuer à la documentation des leçons apprises pour et le partage des expériences. Merci pour votre aimable attention. Merci Franck Aguima Tankwano. Et nous allons maintenant passer la parole à M. Rodrigue Nguana de Jipaigo, qui est donc le directeur de projet de Jipaigo, qu'il dirige au niveau régional ici à propos du DMPA sous-cutané. Et donc, Rodrigue, tu es aussi assez connu, on n'a pas besoin de te présenter. Tu as le micro pour 5-6 minutes de témoignage. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. J'aimerais avoir une petite confirmation que vous m'entendez pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide, comme tout au début de notre cher ami Aguima. Tu es bien entendu. Super. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir pour moi, bien évidemment, de me retrouver avec vous tous sur ce webinaire qui nous permet quand même d'échanger malgré la situation que nous connaissons à travers le monde sur ce COVID-19. Et bien évidemment, j'encourage, comme il est de coutume actuellement, tout le monde à bien évidemment respecter toutes les normes que j'imagine l'OMS et l'OAS endossent complètement pour que nous puissions sortir rapidement de cette situation. Merci beaucoup aussi à IBP d'inviter Jipaigo à ce panel pour partager notre expérience sur les forums et bien évidemment aussi ce que nous faisons pour nous aligner sur les ambitions de l'OAS. Et un grand merci bien évidemment aussi à l'OAS pour cette initiative et ce partage qui nous permet effectivement de discuter de cela. Alors, peut-être très rapidement sur ce que je peux dire en tant qu'un ancien participant et bien évidemment un futur participant des forums qui vont être organisés dans la sous-région par l'OAS. Sur les meilleures pratiques, c'est d'articuler rapidement mon intervention en deux étapes. D'abord, mon expérience cumulative au forum qui a été organisé et ce que j'ai pu tirer et aussi maintenant, ce que Jipaigo fait dans la sous-région pour s'aligner sur l'accompagnement de la volonté et de la vision d'abord de l'OAS et des volontés aussi des pays à pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui ont été prises. D'abord, mon appréciation d'abord personnelle, c'est d'abord de dire que les forums ont été d'abord de très, très bonnes initiatives et c'est pas pour rien que ces forums sont soutenus par beaucoup de partenaires dans la sous-région. Et avec cela, bien évidemment, ça a permis à WAO de s'affirmer dans la sous-région comme une institution qui est là pour harmoniser les politiques et coordonner effectivement toute la mise en œuvre et l'appropriation par les pays de ces politiques régionales telles que souhaitées par la CDAO de manière globale. Donc, c'est une très belle initiative dans la sous-région qui permet effectivement de mettre en lumière les approches et les interventions des uns et des autres et bien évidemment aussi de pouvoir partager les expériences. Moi, j'y ai participé en tant que panéliste à tous les trois forums. Le premier, j'étais panéliste sur le leadership et la gouvernance, où à l'époque, je travaillais sur les questions de coordination régionale, même si je continue toujours à faire la même chose, mais j'étais dans une autre institution. Et j'avais partagé un peu cette expérience d'une approche un peu régionale qui accompagne l'OAS dans sa dynamique. L'OAS étant une institution qui accompagne dans toutes les composantes de santé. Et à l'époque, nous travaillions sur une composante particulière qui était celle de la planification familiale et comment le leadership et la gouvernance pouvaient permettre de stimuler les partenaires et les pays à atteindre un certain nombre d'objectifs qui
pourraient contribuer aux dividendes démographiques. Les autres ont parlé, où j'avais été panéliste plus sur la délégation des tâches. Et la délégation des tâches, on le sait, c'est l'un des éléments que l'OAS porte aujourd'hui dans la sous-région, parce que c'est une démarche importante qui va permettre vraiment de booster un certain nombre de choses. Amener le produit et les produits de services de santé aux femmes en termes de démédicalisation, en termes de démocratisation et en termes de décentralisation va permettre vraiment de pouvoir booster les indicateurs. Et chaque fois que nous avons participé, nous avons toujours porté cette approche comme étant celle qui va vraiment innover et permettre de changer les choses. En gros, et résumer très rapidement cette expérience, c'est que le forum a permis pour nous de partager les approches, d'apprendre des expériences des autres et de aider les pays à adopter les meilleures approches pour pouvoir ajuster leur plan, c'est-à-dire partager, adopter et ajuster les programmes qu'ils mettent en œuvre. Et ça, c'est super puissant. Il y a une expérience anglophone qui dit souvent que shared experience is powerful. En français, ça n'a pas trop. C'est comme partager des expériences importantes ou bien assez puissant, mais en anglais, ça a plus de sens et c'est plus lourd. Et c'est ça que ce forum essaye vraiment de faire. C'est rendre ces expériences minimes que les uns et les autres mettent en place vraiment puissantes lorsqu'elles sont menées sur la table de partage régional comme celle-là. Ma deuxième intervention, comme je le disais tout à l'heure, va être un peu celle maintenant plus institutionnelle en tant que JPAIGO, parce que JPAIGO a bien évidemment participé à tous ces forums en tant que leader dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile connu dans le monde, mais aussi leader dans le renforcement des capacités des systèmes de santé et particulièrement le renforcement des capacités des prestataires de soins. Et vous comprenez que la question des ressources humaines en santé, bien évidemment, est une grande crise aujourd'hui, surtout dans nos pays, et c'est pour ça que la question de la délégation des tâches nous intéresse à plus d'un point. JPAIGO, aujourd'hui, dans la sous-région, dispose bien évidemment avec les 5 bureaux que nous avons dans les 9 pays du partenariat de Ouaga et des présences dans d'autres pays de projets qui soutiennent cette dynamique qui permet de s'aligner sur ces recommandations des forums afin d'accompagner les pays à mettre en œuvre les recommandations souhaitées. Et aujourd'hui, nous mettons en œuvre un projet sur 8 des 9 pays du partenariat de Ouaga, qui est celui de la qui contribue à la démédicalisation aussi à travers le DMPASC. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner le passage à échelle de cette initiative dans les programmes nationaux de santé. Et vous avez effectivement compris, Dr Tankwano, le soulever ici parce qu'on développe une certaine collaboration avec les partenaires pour pouvoir soutenir cette dynamique. Ce qui veut dire que nous nous alignons grandement sur les priorités des pays et nous essayons d'amener aussi tous les partenaires à s'aligner vraiment sur ces priorités. Et une des composantes importantes de ce que nous essayons de faire, c'est de se dire qu'il faut mieux structurer les comités qui existent au niveau des pays. Comment ça conclure, s'il te plaît? Très rapidement, la conclusion va être faite à travers les éléments de coordination, comme je le dis. On a remarqué qu'il y avait une duplication des éléments de coordination et chaque fois qu'il y a un nouveau programme, les pays créent encore un nouveau organe pour mieux coordonner. L'approche que nous avons mis en place, c'est de dire restructurer mieux de manière à ce qu'il y ait des petits groupes de réflexion sur des éléments particuliers de passage à échelle et ces groupes peuvent réjeter leurs réflexions dans les grands comités nationaux qui existent afin de pouvoir aider le ministère à prendre la décision nationale et toujours coordonner mieux et efficacement leur programme. Donc voilà un peu en gros ce que je pourrais partager. Merci. En termes d'expérience et à la fois personnelle mais aussi de JPAIGO. Je vous remercie. Merci beaucoup Rodrigue. Et je vais passer la parole à Fatou Mbouaye de Population Council. Fatou Mbouaye, donc elle est la représentante de Population Council au Sénégal, donc où elle gère donc la mise en œuvre de plusieurs activités de recherche et de notamment sur le programme des adolescents, de santé sexuelle et reproductive et le VIH-SIDA. Donc Fatou Mbouaye est également connu, donc je n'ai pas besoin de trop la présenter. Donc tu as la parole pour 5-6 minutes, Fatou. Merci Dr Namoudou d'avoir aussi maltraité mon nom, mais ça on verra ça après. Mais avant tout, je voulais remercier l'IPP et l'OAS d'avoir associé le Population Council à ce webinaire. Et je vais aller très vite. Concernant l'appui de Population Council au processus du forum, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les initiatives et les activités de Population Council
financés par la Fondation William et Flora Hewlett au Sénégal, soutiennent le renforcement de la collaboration avec les partenaires et réseaux régionaux. Donc, de ce point de vue, Population Council Sénégal a collaboré avec l'OAS pour étendre la couverture des services essentiels de santé de la reproduction dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest, en soutenant la préparation et la tenue des 3 forums sur les bonnes pratiques en santé. En effet, suite au Allô. Il y a un problème de son. C'est coupé. On a perdu le son de Fatou. Mais le vote de Fatou est parti. Allô, Ados. I think there is a problem with her connection. Should we move to the next one and come back? Okay. Yeah, she's offline, unfortunately. Okay. Donc, nous avons perdu le contact avec Fatou. Nous verrons bien si, à un moment donné, elle peut revenir pour terminer ce qu'elle est en train de dire. Donc, nous allons également, sans transition, passer la parole à Osa Cousin-Kil, qui est le secrétariat de IBP et l'OMS à Genève, et donc qui a plus de 20 ans d'expérience au sein donc, du département de l'OMS de santé et recherche génésique. Donc, elle également n'a pas besoin d'être beaucoup présentée, on la connaît très bien. Osa, donc, tu as le micro. Merci, Namadou, merci beaucoup. Oui, je vais être rapide et bref. Donc, pour dire, l'IBP a été un partenaire dans l'engagement avec l'OAS depuis le début en 2013 ou même avant, lorsque les préparatifs du premier forum ont commencé. Le secrétariat de l'IBP et de nombreux partenaires, et beaucoup d'entre vous ici présents aujourd'hui, ont apporté un soutien technique et financier pour les réunions préparatoires pour les forums de l'OAS, à la documentation et aux conférences préalables et au forum lui-même. L'IBP-OMS et ses partenaires ont également élaboré ce guide de documentation que Namadou a déjà mentionné, qui était initialement donc destiné pour l'OAS pour diffuser et permettre aux pays de documenter les meilleures pratiques dans la région avant les forums et pour la soumission des abstracts qui servaient aussi pour les forums. Les partenaires de l'IBP ont mis en œuvre avec OAS 2 pré-forums très réussis. La première était sur la mise en œuvre et l'intensification. Et le deuxième était sur les adolescents. Et le troisième, c'était un café de connaissances. L'OAS nous avait gentiment donné une demi-journée et une matinée lors du dernier forum au Ghana en 2018 sur l'exploitation interactive des outils et des approches pour renforcer les programmes de PF. C'était plus de 200 personnes ont y participé et les sessions ont été développées par plusieurs partenaires régionaux de l'IBP qui ont su vraiment transmettre ces sessions de haute qualité et bien préparées. Et malgré cette forte participation, ils ont fait en sorte que tous les participants aient eu la possibilité d'explorer et d'apprendre sur leurs outils et approches. C'était un exemple vraiment très bon de la fonction de l'IBP et de l'esprit de collaboration, l'esprit collaboratif régional entre les partenaires de l'IBP, l'OAS et tout le monde dans la région qui participait. L'IBP occupe une position unique au sein de l'OMS et dispose d'une vaste réseau et d'une plateforme mécanisme qui permettent de réunir les partenaires parties prenantes de l'IBP pour se mobiliser, partager les connaissances sur les progrès et les défis dans la région et identifier les priorités. La structure de l'OAS est un instrument permettant de rassembler tous les acteurs clés régionaux
et nous devions en capitaliser les avantages et poursuivre et renforcer une collaboration efficace. Il sera aussi intéressant d'évaluer le bénéfice de la documentation et aussi regarder les aspects de l'appropriation et comment on pourrait synchroniser nos activités entre acteurs dans les pays, la région et d'une manière globale. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et évidemment, on est partant pour un quatrième forum. Merci beaucoup. Allô? Allô, Rosa? Oui? On t'a perdu, hein, la dernière phrase. On n'a pas... Ah, et donc, je voulais simplement dire que la structure de l'OAS est un instrument qui permet de rassembler tous les acteurs clés dans la région. Et nous devrions capitaliser les avantages sur cette collaboration et poursuivre et renforcer la collaboration efficace. Également, il sera intéressant d'évaluer le bénéfice de la documentation. Aussi, regarder les aspects de l'appropriation et comment on peut synchroniser nos activités, des activités entre les pays, régions et globaux. Vous m'avez entendu? Allô? Décidément, le son n'est pas bon. Allô, ça s'entrecoupe, hein? Ah oui, apparemment. C'est dommage. Allô? Oui. J'entends mal, ça coupe. Est-ce que allô, je... oui, tu peux parler. Oui, oui, ça s'entrecoupe. Oui, dommage. Oui, moi je t'entends. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, je vais donc dire que l'IPI occupe une position unique au sein de l'OMS et d'un vaste réseau et d'un mécanisme qui permettent à réunir les partenaires de l'IPI et se mobiliser et partager les connaissances, identifier les pratiques. Et nous, et la structure de l'OAS est vraiment un instrument qui permet de rassembler tous les acteurs clés dans la région. Nous pensons nous devions capitaliser sur ces avantages et poursuivre et renforcer cette collaboration efficace. Il sera aussi très intéressant d'évaluer le bénéfice de la documentation, aussi regarder les aspects comme l'appropriation et comment on pourrait synchroniser nos activités entre acteurs dans les pays, les régions et au niveau global. Et nous sommes partants d'un quatrième forum. Merci. Merci, merci Rosa. Next slide, please. Voilà, donc je pense que Fatou n'a pas finalement réussi à nous joindre, n'est-ce pas, Fatou? Non. Non. OK, d'accord. Donc nous allons passer à la troisième séance. Qui, normalement, nous devons essayer de réfléchir. Ici, ce n'est pas vraiment une présentation, mais c'est de susciter un peu la question, les questionnements, les commentaires et les suggestions des participants par rapport à l'organisation du quatrième forum. C'est de voir un peu comment, qu'est-ce que nous pensons d'une évaluation des trois forums tenus de 2015, 2016 et 2018 comme préalable par rapport à l'organisation du prochain forum. Et quels sont donc aussi des mécanismes collaboratifs qu'on peut mettre en place pour soutenir les pays dans ce domaine-là, c'est-à-dire au niveau de la préparation du forum, de la tenue proprement dite, et voire même de l'après-forum. Donc ici, c'est vraiment inciter tous les participants à réfléchir avec nous par rapport à ces deux thématiques. Nous savons que pour l'évaluation des trois forums, il y a déjà, par exemple, des rapports d'évaluation qui existent au niveau de certains partenaires. Il y a d'autres initiatives en cours comme
l'étude sur la mise en œuvre de la résolution sur la délégation de tâches de population cancer conduit. Nous avons également cette évaluation rapide que Amplify PF a fait au niveau des quatre pays pilotes, etc. Donc, toutes ces initiatives existantes doivent bien entendu contribuer à avoir une idée très claire de comment, quels sont les effets ou les impacts de ce processus du forum. Quant au mécanisme à mettre en place, nous sommes en train de penser de comment les différents partenaires peuvent contribuer à vulgariser davantage les outils méthodologiques de l'OMS qui existent au niveau des pays, au niveau sous-national et au niveau national, et comment on peut accompagner le renforcement des capacités des pays par rapport à l'utilisation effective et efficace de ces outils-là pour collecter les documentations qu'il faut et les diffuser en bonne et due forme, jusqu'à même comment rédiger les abstracts et faire des présentations PowerPoint ou en affiche. Donc, tout ceci nous paraît important et nous voulons que cela crée un peu, suscite un peu des questionnements ou des commentaires de la part des participants. Voilà. Slide, please. Voilà. Ici, c'est la quatrième séance et la dernière par rapport à la sollicitation des questions. Slide, please. C'est sur les thématiques qui vont faire l'objet d'un quatrième forum. Donc, nous sommes ici juste en train de faire une suggestion pour susciter, dans le but de susciter vraiment des questions. Comment vous voyez-vous ce quatrième forum après les trois dont on connaît un peu les contenus? Nous avons pensé que ce quatrième forum, si l'idée de l'évaluation de ces trois premiers forums est réaliste, et pourrait se faire, alors nous pouvons dire que les résultats de cette évaluation devraient faire partie comme contenu de ce quatrième forum, une partie de contenu de ce quatrième forum, où on présenterait les bilans et perspectives au niveau national, régional et international. Également, comme d'autres thématiques qu'on pourrait aborder, on ne pourra pas tout aborder, mais juste quelles sont les thématiques éventuelles qu'on peut aborder. C'est la question de la multisectorialité. C'est vraiment aujourd'hui un débat important au niveau de la région. Hein, comment les secteurs étatiques et les secteurs non étatiques peuvent collaborer de façon stratégique et opérationnelle et institutionnelle pour la mise en œuvre des programmes de PF, entre autres, mais aussi le programme d'autres domaines de la santé. Il y a aussi la gestion de la collaboration entre partenaires au développement en soi, qu'on a abordé pendant tout au long de cette présentation. Comment les partenaires peuvent créer beaucoup plus de synergie entre eux et comment on peut donc faire en sorte que nos résultats puissent aboutir ensemble à faire la différence. Il y a aussi la question de la gouvernance nationale en termes d'appropriation et d'alignement des partenaires clés aux priorités nationales. Et enfin, il y a cette question d'épidémie. Nous sommes déjà dans le coronavirus. On a connu Ebola. Donc, les pays aussi doivent apprendre les initiatives qui marchent le mieux dans ce domaine puisque nos régions continueront toujours à être confrontées aux épidémies. Donc, entre autres, il y a beaucoup d'autres domaines qui pourront donc faire l'objet de thématiques. Hein. Donc, il y a One Health également, entre autres, qu'on pourrait penser, la santé, une seule santé, etc., pour le contenu du quatrième forum. Donc, ici, c'est peut-être tout ceci peuvent ne pas être considéré, mais en tout cas, ça laisse la porte ouverte aux questions. Donc, à partir de là, nous pensons que les présentations sont finies et nous pouvons aller à la collecte des questions, des commentaires et suggestions des participants. Maintenant, Ados, how can we get all the questions read by participants? Go ahead, Namadou. Ados? Yes, Namadou, tell me.
Yeah, how can we do? We have the table of the question or comment from participant, but it's not visible. How can we do? How can we proceed? Visible. I'm not sure what. Ok, donc les écritures sont très petites et donc je vais essayer de nettoyer mes lunettes pour vous les lire et donc chaque panéliste, y compris moi-même, pourrait voir quelles sont les questions qui sont adressées aux uns et aux autres. Il y a peut-être là une question sur est-ce que les guides sont uniquement en anglais? Ça c'est à l'OAS. Il y a une autre question aussi, quels sont les quatre pays de la phase pilote de Amplify, PF. Ensuite, quel plaidoyer faites-vous à l'endroit des pays pour ces acquis sur les meilleures pratiques, pour que ces meilleures pratiques soient présentées? C'est une question de Sephoref Ramadoulay. Ensuite, comment l'impact de ces bonnes pratiques est évalué sur les populations? Il y a une autre question. Avez-vous mené des études pour évaluer ces meilleures pratiques ou ces bonnes pratiques? Quelle est l'expérience des meilleures pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes? La sous-région est confrontée à de nombreux défis tels que les grossesses précoces chez les adolescents et leurs conséquences négatives, IST, VIH, avortement, risque, etc. Des approches ont-elles été identifiées et mises à l'échelle grâce à ce processus coordonné par l'OAS? Une autre question de Madame Oza avait dit. Madame Oza avait dit que IBP a un vaste réseau dans tous les pays. J'aimerais savoir le nom de son réseau au Mali. Ensuite, ok, on n'entendait pas bien. La sixième thématique est vraiment d'actualité, surtout. Surtout de la riposte aux épidémies. Donc, voici un peu les quelques questions qui se trouvent sur la fenêtre. Peut-être, est-ce que les panélistes, vous êtes concernés par quelques questions? D'abord, vous, après, moi, je peux voir ce qui me concerne. Qui veut prendre la parole? Ici, c'est Rosa, si vous m'entendez. Je veux simplement merci beaucoup pour la question. Docteur Makan Konaté, je pense que c'est mieux qu'on vous contacte après le webinaire ou avec d'autres, avec des organisations qui sont présentes et font partie du BP au Mali. Ok. Franck a la parole. Ok, Franck. Ok, merci à, je ne sais pas, c'était monsieur André pour sa question. Les pays de la phase pilote d'Amplify, c'est le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Le bureau régional est à Lomé et Amplify PF fait suite au projet Agir PF qui couvrait 5 pays et cette fois-ci c'est 4 pays sans la Mauritanie. Inch'Allah, on espère que avec justement ce forum-là, lorsque, avec l'OAS et les autres partenaires, les bonnes pratiques auront été documentées, qu'on pourra étendre cela, l'USAID pourra étendre son appui à d'autres pays. Merci. Merci, Franck. Est-ce que d'autres panélistes sont concernés? Ok, donc je pense qu'il y a des autres questions qui sont concernées par. Oui? Oui, je pense qu'il y a une question, je vais tenter par rapport à la. Il y a une question qui concerne la mesure. Comment
l'impact est mesuré sur la santé des populations. Peut-être ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que il existe plusieurs indicateurs qui sont généralement développés et qui permettent de mesurer l'impact des différentes interventions au niveau de la population. Pour le cas spécifique, par exemple, de la planification familiale, plusieurs indicateurs existent pour mesurer quel est, par exemple, l'impact de l'amélioration de l'utilisation des méthodes de planification familiale sur la santé des populations, que ce soit en termes de réduction de la mortalité maternelle, que ce soit en termes de réduction justement des grossesses non désirées et des avortements à risque. Donc, c'est des indicateurs qui permettent de mesurer cet impact sur la santé directe des populations qui ont bénéficié de ces différentes interventions. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Il y a une multitude d'indicateurs qui peuvent être choisis au moment où on met en œuvre la meilleure pratique pour en mesurer l'impact sur la population. Maintenant, la deuxième question qui concerne la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Et on a parlé tout à l'heure de beaucoup d'interventions comme les innovations qui ont été développées dans les pays pour améliorer l'accès des jeunes aux services de planification familiale, l'accès des jeunes à l'information, l'accès des jeunes à des services de qualité et aux produits. Et ces innovations existent et des jeunes, des programmes ont été développés avec l'utilisation des nouvelles technologies pour faciliter justement l'accès des jeunes à toutes ces informations et également pour l'accès à des services de qualité. On a parlé de la délégation des tâches, ça concerne toute la population, mais également les adolescents et les jeunes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces questions-là, ces deux questions qui ont été posées. Merci Norbert. Il y a Dr Mango Yves qui va faire un complément également par rapport aux questions. Oui, Yves. Merci Norbert pour ces éléments de réponse que tu as apportés, notamment par rapport aux bonnes pratiques relatives aux adolescents et jeunes. En addition, je voudrais compléter pour dire qu'il y a également l'initiative, la campagne Zéro Grossesse, que la Côte d'Ivoire a eu à partager lors du forum de Grand Bassam et qui a incité le Niger à vouloir répliquer au niveau de son pays. Il y a également l'école de la grossesse et aussi l'initiative Appel à la vie, et que au niveau de Appel à la vie, c'est le Bénin qui a partagé cette initiative qui concerne véritablement les jeunes et qui semble quand même donner des résultats intéressants. Donc, c'est pour compléter les réponses de Norbert par rapport à la question posée par Chilanga. Merci, Namoudou. Merci, Yves. Je vais aussi essayer de compléter la série de questions posées. Bien entendu, en revenant peut-être un peu sur d'autres qui ont connu déjà une partie de réponse. Pour la question, quel plaidoyer faire pour maintenir les acquis, je pense que je l'ai dit dans ma présentation que l'OAS profite non seulement de chaque forum pour vraiment interpeller les pays par rapport à la responsabilité qui est le maintien des acquis, l'engagement et l'appropriation au niveau national, mais aussi et surtout que nous essayons de monitorer un peu pour capter les progrès réalisés par les pays et les rapporter à l'Assemblée des ministres de la Santé, où les 15 ministres de la Santé sont présents et où on voit un peu quels sont les pays qui sont en train de faire les progrès. Et je crois que ceci est à la fois un élément de plaidoyer, d'émulation et d'incitation à aller de l'avant par rapport aux autres pays. Donc, bien entendu, nous maintenons cela avec notre unité de communication et de plaidoyer à l'OAS. Et c'est le même effort, l'OAS seul ne pourra pas tout faire, mais je pense que cela interpelle aussi tous les partenaires
afin qu'on puisse mieux plaider avec toutes nos interactions avec les autorités nationales, mais de façon encore une fois synergique. Pas de passer un seul message dans plusieurs bouches, mais plusieurs bouches pour un même message, dans le sens inverse. Donc, ceci pourra impacter un peu l'effet escompté. Également, une question par rapport à comment on va évaluer l'impact du forum et aussi comment on va évaluer les meilleures pratiques. Je pense que les deux questions se suivent. Je l'ai dit tantôt, je crois que la troisième séance porte un peu sur ça, les questionnements. Nous voulons évaluer un peu les trois forums qui sont déjà réalisés. Et dans cette évaluation, c'est de mettre le focus sur tout ce qui n'est pas encore exploré par rapport aux différentes initiatives d'évaluation qui sont en cours. Par exemple, Population Council va évaluer la mise en œuvre de la résolution sur la délégation des tâches dans les 9 pays de partenariat de Ouagadougou. Nous, l'OAS, nous pouvons étendre cette méthodologie aux autres pays, c'est-à-dire ces 8 pays qui sont concernés pour la CEDEAO, pour le partenariat de Ouagadougou, la Mauritanie étant hors de la CEDEAO. Mais pour les 7 autres pays de la CEDEAO, nous pouvons étendre la même méthodologie pour avoir un peu une information plus exhaustive sur les 15 pays. Et également, nous allons voir comment les meilleures pratiques ont été sélectionnées par les pays de façon prioritaire. Qu'est-ce que les pays sont en train de faire avec? En dehors de l'appui des partenaires ou avec l'appui des partenaires? Et nous allons voir un peu aussi l'opinion, les avis des experts pays et des acteurs pays sur peut-être les difficultés rencontrées, les opportunités qui existent, etc., pour essayer d'identifier les obstacles et avec les pays trouver des solutions pour qu'on puisse quitter les phases pilotes pour aller maintenant vers les phases d'application, de mise à échelle de ces pratiques qui sont prouvées et éprouvées déjà. Donc, bien entendu, l'OAS est dans la perspective de faire cette évaluation. Je voudrais aussi ajouter un truc par rapport, un complément par rapport à l'expérience en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes, que peut-être l'OAS est en train d'envisager aussi l'élaboration d'une résolution, parce que je crois que Osa l'a rappelé, le deuxième forum qu'on a organisé à Grand Bassam a connu dans sa phase de pré-forum un sujet spécial sur les questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, donc avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et le troisième forum à Accra également, on a fait participer un grand nombre de jeunes et adolescents pour qu'ils puissent voir un peu les meilleures pratiques qui sont en cours dans les pays. Donc, nous sommes pratiquement disposés à ébaucher en tout cas une résolution dans ce sens. Et nous allons bien entendu solliciter la contribution de tous les partenaires concernés. Et il y a une dernière question par rapport à l'intérêt de la thématique sur les épidémies. Je pense que c'est une suggestion, c'est fait par José Kossi Chroubo. Par rapport à la pertinence de ce thème, de cette thématique-là, et eu égard aux besoins, la situation actuelle et même la situation passée, comme on fait référence à Ebola aussi. Et aussi, pas seulement que ces grandes pandémies-là, mais il y a aussi les épidémies régulières et récurrentes auxquelles nos pays font face, la méningite et autres fièvres jaunes, et j'en passe. Donc, je pense qu'effectivement, nous allons prendre note de ça. Je pense que je suis en train de lire une autre question, une dernière ligne là. Nous, en Mauritanie, nous espérons également... Attendez, c'est parti. Non, nous, en Mauritanie, nous... Nous espérons également. La question n'est pas sortie, malheureusement. Je m'excuse de revenir encore, mais je n'ai pas très bien compris la réponse de Mme Oza.
Donc, peut-être, Osa, tu voudras bien revenir sur la réponse que tu as apportée. Oui, je suis là. Et écoutez, je suis désolée, mais je crois que j'ai noté aussi. C'est mieux qu'on revienne vers vous, M. Konaté, avec des noms des partenaires qui sont au Mali. Je crois que c'était votre question, si j'ai bien compris. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bien la question. C'est bien la question, bon. Oui. D'accord. D'accord, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, Osa. Il y a une autre question. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Pour les thèmes futurs, pourrions-nous avoir un sujet qui tente de relier les meilleures pratiques identifiées jusqu'à présent à la manière dont elles peuvent parvenir à une couverture sanitaire universelle? Alors, oui, je pense que c'est par rapport toujours à la thématique proposée. Bien entendu, la couverture sanitaire universelle est une question et une priorité importante parce que ça vise vraiment à atteindre les ODD en matière de santé, mais aussi cette question que nous débattons, la nécessité de coordonner nos efforts pour la mise à échelle des meilleures pratiques pourrait contribuer justement à cette couverture. Parce qu'une mise à échelle, c'est répondre à la question de la couverture sanitaire. Et qu'il s'agisse des aspects géographiques ou des axes, donc par rapport à l'accès géographique, par rapport à l'accès financier, mais aussi par rapport aux normes et procédures et protocoles et tout ce qui font l'objet de la réglementation et les politiques pour que tout ceci s'aligne là-dessus. Donc, bien évidemment, on est plein dans la tendance vers la couverture sanitaire universelle. Donc là également, nous retenons par rapport à cette préoccupation de prendre en compte la couverture sanitaire universelle comme thématique potentielle à explorer lors d'un quatrième forum. Je pense que c'est tout. Je n'ai pas d'autres questions en face. Alors, il y a une question qui vient de tomber. Ça tombe de haut, ça tombe de bas. La sixième thématique est vraiment... Non, ça, on a déjà passé ça. OK, donc je pense que c'est tout ce que, à moins que je ne remonte. Oui, voilà, il y avait une première question, effectivement, qui parlait de est-ce que les guides sont uniquement en anglais. Voilà. Non. Et pour nous, en tout cas, au niveau de l'OAS ici, les guides sont traduits dans les trois langues. Et je le disais sur la première diapositive que les trois langues nous amènent toujours à considérer un peu ces trois documents à chaque fois, c'est-à-dire l'anglais, le français et le portugais. Donc, si vous allez sur le site de l'OAS, avec le lien que je vous ai indiqué, choisissez la langue, l'une des trois langues, et vous verrez que les guides vont apparaître dans la langue choisie, dans chacun des guides qui sont affichés sur notre site web. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui n'a pas répondu? Namadou, there are three questions at the bottom. If you make the question box larger, you'll be able to read them. But you have to scroll down to the bottom of the box. Il y a le bouton. OK. C'est Aïssata Alassane Ngadit de la Mauritanie au nom de toutes les femmes. And there's one by André Jalang Sidibé. Ah, OK, André Yalansilibé, OK, voilà, qui pose la question de quelle synergie avec les autres plateformes d'échange
sur les bonnes pratiques, comme le sommet francophone pour le changement, le sommet francophone pour le changement social et le comportement, communauté des pratiques en Afrique francophone, etc. OK, donc ça également, je peux répondre à cette question. Le forum en soi-même est vraiment fait pour constituer une plateforme régionale pour, a priori, les 15 pays membres de la CEDEAO, afin qu'ils puissent échanger vraiment leurs pratiques qui marchent le mieux. Et nous essayons bien entendu à ce que les gens puissent, en venant ici, prendre en compte aussi les autres plateformes qui existent. Si certaines plateformes ont déjà montré les preuves par rapport à l'efficacité et l'efficience d'une telle ou telle pratique, alors ça serait déjà une référence pour que ces pratiques-là aussi fassent l'objet de partage au niveau de la plateforme régionale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il n'est pas question de faire une concurrence ni rien, mais c'est plutôt tirer bénéfice de l'expérience des autres rencontres, des autres plateformes existantes pour renforcer la nôtre. Voilà, nous essayons en tout cas de créer cette culture-là au sein de nos différents pays pour la documentation des meilleures pratiques. Nous faisons déjà la différence à partir du moment où nous avons harmonisé les outils pour identifier et documenter, et nous avons harmonisé les outils pour mettre à l'échelle et répliquer. Donc, ceci fait que nous devons monitorer maintenant nos pays par rapport à l'application de ces outils et leur appropriation au niveau de leur politique nationale. André, ensuite, il y a Assata Ngaide. Donc, c'est par rapport aux femmes démunies, toutes les femmes démunies, nous demandons une couverture sanitaire et les retours des organisations qui est là pour nous accompagner dans nos activités. OK, je pense que ça, ce n'est pas une question, c'est plutôt un plaidoyer. Et elle continue. Donc, c'est Association Agir pour la santé de la femme et du développement. Elle est de cette association-là. D'accord. Jean-Jacques Brou. Puis-je avoir les sites web et les contacts des partenaires IDP? Oui, je pense que dans les différentes présentations, également pendant le document qui a fait l'objet de présentation tout à l'heure, vous avez dans cette première diapositive, je crois la deuxième, vous avez déjà le site web de IDP là-bas. Et il en est de même également pour le site web de l'OAS. Il en est de même pour le site web de l'OAS. Vous pouvez accéder à travers le lien que j'ai partagé tantôt dans ma présentation. Voilà. Jean-Jacques, Bernadette. Donc, il y a Bernadette également, Dramou. Les meilleures pratiques ne doivent-ils pas commencer à partir de la base et servir le sommet et les différents comités existants? Bon, je ne comprends pas très bien la question. Je ne sais pas comment... bon, Bernadette, sa question, qu'est-ce que tu comprends? Ce n'est pas très clair, mais l'idée quand même ici du forum, c'est les pays qui viennent partager les pratiques qu'eux-mêmes ils ont identifiées. Donc ce n'est pas que c'est du haut qu'on répercute. Et c'est quand c'est partagé, diffusé,
que certains pays qui pensent que telle pratique peut être utile pour mon contexte, dans mon cas, et retiennent ces pratiques pour les adopter et les adapter à leur niveau. C'est un peu comme ça, quand même, la philosophie du forum. Merci beaucoup, Yves. Et effectivement, dans cette perspective-là, l'OAS a dit que ce ne sont pas les meilleures pratiques de l'OAS, ce ne sont pas les meilleures pratiques de IBP, ce ne sont pas les meilleures pratiques de Agenda Health, ce sont les meilleures pratiques des pays. Alors, nous avons voulu, en tout cas, dans la conception de ce processus du forum, un peu un saut de mentalité par rapport à cette question-là. Nous avons vu avec Advance Africa, avec également le projet AWARE, AWARE 1 et AWARE 2, qui avait tenté aussi de documenter les meilleures pratiques et puis les diffuser. Mais les pays disaient « Ah, ça, c'est une meilleure pratique de AWARE. Ah, ça, c'est une meilleure pratique de Advance Africa. » Donc, c'est un peu comment mettre les pays devant leurs responsabilités. Pour cela, nous avons amené à développer ces outils pour que les acteurs pays eux-mêmes, comme Yves le dit, identifient et documentent les pratiques dont ils pensent marchent le mieux. Ça, c'est un. Et c'est peut-être aussi l'occasion, encore une fois, de rappeler que nous, ce que nous entendons par meilleure pratique, c'est vraiment les procédés, les astuces, les mécanismes institutionnels qu'on utilise pour mettre en œuvre de façon efficace et efficiente les pratiques à haut impact. Les pratiques à haut impact sont déjà, la quasi-totalité, sont déjà connues, éprouvées. Notre difficulté aujourd'hui, c'est comment les mettre en œuvre, en mettant en tant qu'innovation dans un système existant. Et c'est pour cela qu'on doit tenir compte du contexte. Et ce contexte-là doit permettre que ces pratiques-là soient déjà pertinentes par rapport aux priorités nationales et que ces pratiques s'alignent sur les procédures, les normes qui existent, ou qu'on puisse adapter maintenant les normes et protocoles à prendre en compte ces pratiques-là. Donc, c'est vraiment ce travail-là, ensemble de ce travail qu'il faut considérer pour qu'on puisse dire « ça, c'est une meilleure pratique » parce qu'en ce moment, il est réplicable pour le passage à échelle. Donc, je crois que c'est important cette question pour qu'on puisse harmoniser notre compréhension. Ados, do you think there is another question? No, that was the last question. No. OK. Je pense que c'était l'ensemble des questions et qu'on a répondu. Je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour poser une question additionnelle. Namadou Fatou est là. Est-ce que vous voulez qu'elle finisse son présentation, bref, ou non? Fatou, est-ce que tu veux dire un mot pour terminer ta présentation? Nous sommes ouverts, bien évidemment. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je m'excuse encore. Apparemment, la connexion n'est pas très clémente avec moi. Et je voulais juste savoir à peu près à quel moment je vous ai lâché pour pouvoir continuer. Bon, je sais que j'avais noté comme dernière ligne la participation de Pop Council à la préparation des trois forums. OK, d'accord. Donc, en fait, ce qui s'est réellement passé donc, par rapport à ça, c'était déjà notre accompagnement sur, tout au long du processus. Donc, je vais reprendre là où Population Council a apporté son appui technique au ministère de la Santé à travers la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant pour l'identification et la documentation d'une bonne pratique en lien avec l'approche 3D. Donc, 3D, c'est démocratisation, démédicalisation et décentralisation, avec la mise en application des modèles de description détaillés d'une bonne pratique axée sur les critères d'expansion définis par l'OMS. Et l'approche 3D avait été à l'époque identifiée comme une bonne pratique innovante pour booster l'atteinte des objectifs de TPCM dans la région, ce qui lui avait valu d'ailleurs par la suite une réplication par d'autres pays comme le Togo.
La description s'était faite donc sur la base de l'utilisation des guides de documentation des bonnes pratiques développées par l'OMS. Et nous avions donc aidé la direction de la santé de la mère et de l'enfant à identifier les informations essentielles à collecter pour répondre aux critères de définition d'une bonne pratique. Le constat étant que certaines parties prenantes sont parfois confrontées à des difficultés par rapport à l'utilisation de ces outils. Et je crois que c'est ce dont le docteur Namoudou faisait allusion tout à l'heure, comme quoi l'utilisation de ces outils-là constitue encore un défi pour beaucoup de parties prenantes. Un appui similaire donc a été apporté au ministère de la Santé pour la préparation du troisième forum de 2018 pour la documentation à l'aide toujours des mêmes outils du rôle potentiel du secteur privé, notamment les pharmacies, dans l'offre de planification familiale. Et en plus de cela, pour d'une part être fidèle à notre engagement de renforcer les capacités des individus et institutions partenaires pour mener des recherches, procéder au suivi et à l'évaluation des programmes, et utiliser des données probantes pour la prise de décision, et d'autre part, pour aider l'OAS à atteindre un de ses objectifs spécifiques, qui est, comme le docteur Namoudou l'a encore rappelé tantôt, de promouvoir la culture de partage d'expériences des pays sur le développement et la mise en œuvre des politiques. Population Council a appuyé la participation d'une partie de la délégation nationale du ministère de la Santé du Sénégal au dernier forum. Aussi, des stands présentant des activités de recherche de Population Council pouvant contribuer à accélérer la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes prioritaires des pays membres de la CDAO ont également été tenus lors des forums par le personnel des bureaux de Population Council du Sénégal, du Burkina Faso et du Ghana. Donc, ce sont là des exemples de soutien que nous avons fournis avant et pendant les forums. Pour ce qui concerne l'accompagnement post-forum des pays et les perspectives post-2020, comme beaucoup le savent, le Population Council s'efforce d'améliorer la santé et le bien-être des populations grâce à des approches fondées sur des preuves pour élargir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. À la suite donc de l'analyse situationnelle réalisée en 2015 par Population Council et l'UCPO pour les interventions de délégation des tâches dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, l'équipe de Pop Council au Sénégal a continué de s'engager dans ce domaine pour un accès élargi à la PF dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest. Le Pop Council Sénégal s'est donc associé à l'OAS, à l'OMS Afro et à l'OPCU, oui, pour la consultation régionale sur le partage des tâches qui s'est tenue au Togo en septembre 2016 et à laquelle les délégations des 9 pays ainsi que les représentants de pays membres ont pris part. Okay. Et donc, à l'issue du troisième forum, pour aider l'OAS, juste une minute, je termine, s'il te plaît. Pour aider l'OAS à atteindre l'un de ses objectifs spécifiques, qui est de suivre et évaluer les progrès réalisés par les pays membres de la dans la réplication et le passage à l'échelle des bonnes pratiques en santé, nous avions inscrit dans le cadre de notre programme de recherche en lien avec la santé de la reproduction, en collaboration avec nos partenaires qui sont ici présents sur le panel, la nécessité d'examiner et documenter l'état de la mise en œuvre de la délégation des tâches dans les 9 pays pour les services de planification familiale en vertu de la résolution de la CDAO de juin 2017 et des engagements qu'on a pris. Et là, je crois que ça répond à l'une des questions que j'ai pu prendre au vol tout à l'heure, qui demandait si actuellement il y avait des études pour évaluer justement ces bonnes pratiques. Donc, nous avons jugé cela utile pour voir où se situent les pays, ainsi que les défis qui doivent être relevés. L'objectif général de cette recherche étant de documenter, 2 ans plus tard, le degré d'appropriation et de mise en œuvre de la résolution de la CDAO de 2017 par les pays du PIO, ainsi que les engagements pris par ces mêmes pays sur la délégation des tâches lors du sommet de Londres de 2017. Et de manière spécifique, donc, c'était documenter les changements, produire des preuves solides et identifier les défis auxquels sont confrontés les pays pour une mise en œuvre efficace de la résolution de 2017, les engagements pris, ainsi que les enseignements tirés de l'offre de services aux communautés. Donc, le rapport de cette étude est en cours de développement et il sera partagé aux parties prenantes dès que disponible. Et donc, en guise de perspective, après 2020, pour ce qui nous concerne, nous pourrions continuer à accompagner l'OAS dans l'atteinte de ses objectifs en fournissant aux pays le même soutien qu'auparavant pour identifier et documenter les bonnes pratiques à l'aide des directives de l'OMS et des outils disponibles à cet effet, mais aussi pour synthétiser et diffuser les données probantes aux différentes parties prenantes lors d'événements nationaux et régionaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Étant dernière, donc, tu as eu beaucoup plus de temps de donner les détails des plans de réussite de population cancer dans le processus du forum. Merci, Fatou. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour une ou deux minutes? OK. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette session sur l'OAS, sur le processus de meilleures pratiques en santé. Je pense que je vais donner donc la parole à Yves Mongo, mon collègue, pour qu'il puisse faire une petite synthèse dans les deux minutes qui suivent avant la fin de l'heure, avant 15 heures. Yves. Merci, merci Namuno. Je crois que bravo et félicitations à IBP et tous les acteurs pour cet exploit, pour quand même avoir mis tout le monde en contact pour échanger. Et nous avons vu que les différentes interventions ont, dans un premier temps, vraiment confirmé l'importance pour la région de continuer à tenir ce forum ensemble avec tous les partenaires pour pouvoir renforcer cet esprit de collaboration pour aider les pays à accélérer la mise en œuvre des pratiques, des interventions qui marchent pour améliorer la santé des populations pour ce qui est le thème d'aujourd'hui en matière de santé de la reproduction et particulièrement en matière de planification familiale. Alors, ce qui est quand même ressorti, il y a des avancées pour les pays qui ont pu mettre en place les pages, les comités pages, les comités nationaux de passage à grande échelle. Cependant, il y a quelques soucis de fonctionnement par rapport à ces pages et c'est bon qu'ensemble, on puisse accompagner les pays à identifier vraiment ce qui est le problème et comment faire pour améliorer le fonctionnement de ces comités. Il y a eu une suggestion de la part de Dias Pigou qui a dit restructuration. C'est peut-être une proposition de solution, mais les pays eux-mêmes avaient quand même donné les éléments qui doivent pouvoir être pris en compte pour assurer une fonctionnalité optimale à ces comités. Un autre point important que nous pouvons retenir par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui, c'est l'importance pour quand même évaluer ce qui a été fait sur les trois éditions passées pour tirer leçon et voir, mieux voir dans quelle direction avancer avec beaucoup plus d'assurance. Ça aussi, je crois que les partenaires qui sont intervenus se sont prononcés en faveur de cette évaluation qui est importante à faire. Alors, il reste peut-être quelques secondes. Un dernier point, le fait que les pays qui n'ont pas encore, qui traînent encore le pas, doivent pouvoir être accompagnés, mais aussi mettre l'accent sur le financement domestique pour pouvoir mieux avancer et pour avoir une certaine pérennité dans les actions. Voilà. Namundu, la synthèse que je voulais faire, mais je vais finir en disant que ici, au sein de l'OAS, nous avons l'opportunité de demander à tous les pays, actuellement c'est quand même 10 pays qui sont dans le mécanisme régional de financement des interventions de santé de la reproduction et des activités de SR. Ces pays qui envoient leurs requêtes chaque année à l'OAS, nous commençons par leur demander de mettre l'accent plus sur ces pratiques que eux-mêmes ils ont reconnues bonnes ou meilleures
pour les mettre dans ces requêtes-là. Et c'est la même chose que nous voudrons demander par rapport à tous les partenaires qui interviennent aussi dans les pays, d'insister davantage pour qu'on mette une synergie autour de ces pratiques pour avancer avec beaucoup plus de rythme dans leur mise en œuvre. Merci beaucoup à tous et merci à Namour, je te redonne la parole. Merci infiniment Yves pour cette synthèse. On ne peut jamais tout dire, mais c'est déjà, je pense, que quelques éléments clés qui ont émergé pendant cette session. Je voudrais vraiment remercier tous les participants, de près ou de loin, tous les organisateurs, à commencer par le secrétariat IBP, et puis Aza à Genève et Nandita, et ainsi que Ados aux États-Unis. Merci à tous les panélistes ici, le Norbert du partenariat de Ouagadougou, Rodrigue de Jupaygo, Franck de Amplify PF, Fatou de Population Council et Aza de secrétariat de IBP pour vraiment vos apports par rapport aux réussites de ce forum-là. Nous voudrions vraiment encore une fois demander les excuses par rapport à certaines imperfections, donc, de cette session, peut-être liées à la technologie parfois, mais aussi liées au thème qui est vraiment beaucoup complexe. En tout cas, nous voudrions prendre rendez-vous pour une prochaine fois. Nous aurons certainement un rapport de cette session qui sera partagé et ce rapport pourra également faire l'objet d'amendements de la part de tous les participants de cette session-là. En tout cas, pour nous, ce fut un très grand plaisir. Merci à tous encore. Merci et au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, bye bye.